Là maintenant on y est, regardez, l'endroit est en bas. Salut à tous les gamers, Gros17 aux commandes aujourd'hui de ce qui va être une vidéo sur Fortnite Battle Royale, la saison 6. Alors rappelez-vous les potes, le fameux mystère du bunker secret. On est ici à Wellingwood, vous vous en souvenez? Hein, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc, etc. On en discutait souvent en livestream. Je me suis dit, pourquoi pas aller voir les nouveaux ajouts. À Wellingwood, ils ont rajouté des maisons autour. Et apparemment, si j'ai bien compris, ils ont fait en sorte qu'on puisse rentrer dans ce fameux bunker. Alors, on va découvrir ça ensemble. C'est parti, les gars. Donc, déjà ici, la maison, il y a combien d'étages? C'est bien parce que ça rend, on va dire, Wellingwood un endroit probable de drop pour pouvoir faire plus de kills, etc. Et ça, déjà, je dis oui. En plus, regardez le nombre de chests qu'il y a, déjà. Hein, on va dire ça, c'est encore le début. Hein. C'est en haut, ok, la grande chambre. On a le rez-de-chaussée. On avait le toit aussi, sûrement. J'ai pas vérifié s'il y avait un chest. Et là, on va voir. Donc, il y a le souterrain. Et il y a pas mal de coffres. Hein. Donc là, maintenant, quand ils mettront, on va dire, tu vois, les coffres. On va dire, ben voilà, à Wellingwood, on est sûr et certain qu'il y en aura pas mal. Alors, dans cette maison, c'est assez étrange parce que il n'y a pas moyen d'aller jusqu'au bunker secret. Le bunker secret qui est... Ah voilà, donc c'est plutôt par l'est, les gars. Le bunker, il est par l'est. Donc, la première maison, du coup, à l'ouest, vu qu'elle est juste en face. Et si on se dirige par au sud-est, il y a également un nouveau campement avec une nouvelle maison. Et on va aller voir ça. Donc, apparemment, je pense qu'il y a un sous-sol. On va voir un peu ce que ça va donner. Voilà, donc là, on y est. Donc, c'est une maison encore à un étage. Apparemment, j'ai entendu un chest. Donc, normalement... Ah bah voilà, donc ça fait un coffre ici. La forteresse légendaire. Je pense que dans le toit... Il doit y avoir des choses aussi dans le toit, non? Tiens. Moi, je suis en partie... Je suis en terrain de jeu, là. Hein, donc, je pense que vous l'aurez remarqué. Ensuite, ici, on a quoi? On a un petit... Bah voilà, petite cour, on va dire, avec les chaises, avec le barbecue, tout ça, tout ça. Et ici, on est dans le sous-sol. Donc, normalement... C'est assez étrange ça. Et si je casse les murs, il n'y a pas moyen d'y aller, non? Ah voilà les potes, j'ai trouvé. Donc une fois que t'es ici dans le sous-sol, j'étais en train de casser les murs et tout. Donc je me dis, what? J'ai pété le mur ici, je vois un couloir par là. Et donc je pense que c'est par là. Exactement. What? J'entends un chest ici. J'entends un coffre. Il y a moyen de casser ça. Vas-y, on essaye. Oh, c'est une impasse les gars. Donc, il y a un tunnel ici, mais c'est une impasse. Alors, je continue tout doucement. Non, mais c'est quoi ce délire? D'accord, donc c'est un endroit secret. D'accord, moi je pensais qu'il menait au bunker secret, en fait. Moi, je pensais qu'il menait au bunker secret, les gars. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, forteresse légendaire. Et apparemment, impossible à jeter ici. Attends, et là? Voilà, attends, et si tu ouvres? Non, ça veut pas le casser. Toujours impossible à casser, t'as vu? Ah voilà, donc là, dans le sous-sol de cette maison, on a exactement le même truc que tout à l'heure, mais regardez les gars. Est-ce que j'ai une impasse? J'ai toujours une impasse. Et j'ai pas compris pourquoi ils ont mis ce tunnel en fait. Moi, c'est ça qui me choque. Donc ici, à quoi? Regardez, il y a une trappe. C'est quoi ce délire? Et elle remonte où? Elle remonte au rez-de-chaussée. Donc tu sais passer au sous-sol directement grâce à la trappe. Ça, c'est cool, ça. Et là? Non, bah, il te force à remonter, en fait. C'est quoi, en fait, ça? On monte tout en haut. Regardez, je sais pas c'est quoi cet endroit, les gars. Je veux... Ah bah tiens, et on s'est passé du grenier au sous-sol directement grâce à ces escaliers. D'accord. Et ben voilà les amis, on y est! On y est! Donc regardez comment le centre de Wellingwood a complètement changé. Là, bien entendu, vous l'avez vu, hein, j'étais avec une pierre pouvoir. Donc j'étais en train de chercher, puis boum. Ici, est-ce que je peux casser? Oui, apparemment oui. Et ça fait clairement, regardez les gars, il y a... Vous voyez les conduites qu'on avait vues tout à l'heure dans les petites maisons? Voilà. Là maintenant, on y est. Regardez, l'endroit est en bas. On est, je pense... Dans ce fameux bunker secret qu'on attend, on va dire, sur lequel on attend spéculer. On va voir ici. Donc déjà, il y a un chest ici en bas. Donc
comme je vous le disais encore un peu plus tôt, ça devient vraiment un point d'intérêt super intéressant. Sincèrement, mais vraiment intéressant. On a quoi? Ils ont encore un autre chest. Voilà, on dirait un laboratoire. De quoi, je sais pas. On dirait un laboratoire. Genre, il y a des expérimentations, etc. Tu vois? Je suis toujours en playground parce que j'adore découvrir en fait les maps, les gars. Ouais, voilà, tu vois les tunnels qu'on voyait tout à l'heure dans les sous-sols des maisons, des nouvelles maisons qu'ils ont rajoutées, je vous montrais. C'est exactement pareil, sauf que pour le moment, ils ont pas encore ouvert. Tu vois, ils ont pas encore ouvert, je pense, ou ils ont pas encore réalisé l'autre partie de map. Donc ici, quand tu viens tout au fond, Grony, si j'ai bien compris, voilà, t'as un chest. Et ici, t'as une faille. J'ai pas envie de prendre la faille, les potes, d'accord? Donc pour le moment, j'ai pas encore envie de prendre la faille. Donc on est arrivé d'ici. J'ai fait ce secteur là-bas. Il y a un chest ici, Grony. Ok, il y a un chest. Nickel, bon à savoir. Il y a encore un coffre ici apparemment. Eh, c'est quoi ça? C'est... Ah oui, c'est les fameux poissons. C'est les fameux poissons. Donc le coffre, il est où? Il est là. Voilà. Tranquille. On a une porte ici qui mène où? Je sais pas. Voilà. Voilà, nickel. Et tu, du coup, tu peux encore descendre en bas. Ok, donc ça, on a déjà fait. Hein. Donc, voilà. Ici, c'est un endroit que j'ai pas encore regardé. Donc là, normalement, quand tu pètes tout à l'heure, quand je pétais ça dans la maison. Quand je pétais ça tout à l'heure dans la maison. Voilà. T'as la faille ici. Normalement, tu sais passer sur les côtés. C'est génial. T'as pas de coffre ici. Donc la faille, je sais pas si elle y est aussi sur la map normale en saison 6 parce que moi je suis en playground, je vous l'ai déjà dit. Mais en attendant, voilà quoi, il y a ça. Et si j'ouvre par ici, y a-t-il moyen de rejoindre l'une des maisons qu'on a visitées ou pas? Voilà, non, ça bloque. Donc tu vois, c'est des tunnels qui mènent, j'ai envie de dire, nulle part. Ou en tout cas, voilà, on va encore quand même taper dans les autres, on sait jamais quoi. Hmm, non. Voilà, peut-être celui-ci. Il mènera quelque part ou quoi, non? Voilà. Bah écoutez les gars, voilà. Et si je prends la faille, j'atterris où? On va la prendre, tiens, voilà. Donc ça c'est le bunker, j'ai l'impression. Il a été visité. On atterrit en hauteur. D'accord. Franchement, d'accord. Bon bah voilà les potes. Ça c'est pour tous ceux qui se demandaient. Justement, ben les nouveaux ajouts. Cette petite baraque que je vous ai pas montrée. Donc ici c'est un simple basement, hein, une basement, tu m'as compris, hein, c'est pas une basement, c'est une cave, désolé. Voilà, il n'y a pas moyen de monter ici quelque part, quoi, non? Donc ça c'est un autre endroit que je ne vous ai pas montré, mais bon c'est des petites cabanes qu'ils ont rajoutées. Je vous ai montré les maisons principales autour de Willing Woods et ce qui je pense être le bunker, le fameux bunker sur lequel bah, voilà, on discutait tant. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo découverte, des petits mystères, secrets, voire peut-être même easter egg, etc. Moi j'adore ça, découvrir comme ça sur la map, etc. C'était Grony, mille merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Ciao les gars, à plus, bye bye.